Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de notre aventure sur Dark Chronicle. La dernière fois, je vous avais laissé ici. On avait avancé le village, mon village qui est moche, mais je m'en fiche parce que il remplit les conditions, tout simplement. La dernière fois, je vous ai laissé juste avant d'aller battre le boss et du coup de dire au revoir à Shingala. Alors, je ne sais pas encore comment on lui dit au revoir. Est-ce qu'on lui dit au revoir parce qu'il crève? Est-ce qu'on lui dit au revoir parce qu'il part avec ses potes? Je ne sais point. Donc c'est parti, allons le découvrir tout de suite dans la dernière zone, le village Shigura. Which Shigura should we try and talk with? Who knows? Let's try them all one by one. Ok, donc il y a des Shigura, on peut aller les voir un par un pour parler avec eux. Y a-t-il un truc caché par hasard? Je sais pas. Non. Ah, il y a un point de sauvegarde. Ok. Ça s'annonce. Voilà quoi. Bonjour monsieur. Bienvenue au village des Shigura, je vous souhaite un bon séjour. Ok, très bien. Donc eux apparemment je vais pas pouvoir leur parler parce que c'est des bébés, non? Je ne lirai pas cette phrase. Parce que ça... Je ne suis pas un Shigura s'il vous plaît. C'est ici que nous nous reposons de notre long voyage, alors ne faites pas de bruit. Ok. Bonjour monsieur, madame. Nous sommes un peuple migrateur et chaque année nous faisons un long voyage pour venir jusqu'ici. Très bien. Alors je suppose que celui à qui il faut que je parle, ça va être celui qui est de couleurs différentes. Ça doit être le chef, je suppose. C'est le chef de notre village, alors soyez poli, je vous prie. Bah voilà, bah j'avais dit que c'était le chef. J'avais dit! C'est lui qui va répondre à nos questions. I am Barul, the Shigura tribe elder. We rarely see humans here. What is it you want? Well, actually, we have a favor to ask. A favor? What is it? There's an injured Shigura on the far shore. Human medicine isn't doing any good, so we need some Shigura medicine. A Shigura? Then it must be one that got separated from my tribe. I think so. I must be getting old if I can't even keep my own tribe together. All right. Take this then. It should work on our lost Shigura's injuries. Care for him well. Thank you, Elder. Come on, let's hurry back to Pal's place. Sure thing. Ok, vous allez me dire que il n'y a pas de boss dans cette zone et que c'est tout gentil, tout calme et tout. Je n'y crois guère, mes amis. Je n'y crois guère. Il va nous tomber un truc sur le coin du nez, on va pas s'y attendre. Montrez-vous. Pourquoi il y aurait un point de sauvegarde en plus? C'est bizarre. Trop chelou. Hop, on sort du dédale. Et on va aller chez Po, du coup. Je vais sauvegarder parce que... Je sais pas pourquoi je sens qu'il va se passer un truc chelou et je sens que genre on va devoir battre Shingala, non? Ça va être un truc comme ça. Plus on arrive vers la fin et plus je me pose des questions sur cet endroit en fait. Sur le pourquoi du comment. Allez, allons voir notre ami pour lui donner le remède.
Dépêchez-vous de donner le médicament à Shingala. Tiens, des bons fruits. His wounds are healing. Shingala, you feeling better? Oh, I'm so glad. You're all better. That tickles. Stop it. Pao really looks happy. Yeah. What's that? Don't tell me it's... Shigura Village! Don't tell me they're going to attack! I'm sure they will. Let's get to the village, fast! What? What's going on? You and Shingala go back to your place. We'll defend Shigura Village. Huh? What? But... Just do it! You don't want Shingala to get hurt again, do you? Okay. Let's go, Monika! Right! Ok, donc goodbye Shingala parce qu'il va se faire buter par Gaspard, non? Ah non, franchement, si c'est ça, c'est dégueulasse. Attendez, je regarde, est-ce que... Non, c'était pas ce que je voulais faire! Au secours, je panique. J'ai Cédric avec moi. Il a des points d'aptitude, c'est cool. Ouais, je pense qu'on est bien. C'est parti, on va sauvegarder. Encore une fois, parce que j'aime les sauvegardes. Et parce que la musique est plus agréable que la musique de combat là. Ah, j'ai le nez qui gratte, ça y est, ça commence. Ça m'énerve cette bêtise là d'allergie. Mais bon, c'est la vie, malheureusement. Voilà, donc je me disais, ouais, y'a pas de boss et tout. Ouais, ouais, bah non, il est là le boss. C'est parti. Shigura doing? Look, they've got the same devices on as Shingala did. They're being controlled. That Gaspard, he doesn't stop at anything. How do you like my new invention, the marionette? Now the Shigura are under my complete control. So you're the one that put that thing on Shingala. Huh? Oh, you mean that Shigura calf? Why yes, that was my work as well. I had quite a lot of fun with that one. You won't get away with this! Why, you little loudmouth! Just what do you plan to do, eh? I think I'll just have my Shigura toy with you for a while. How does that grab you? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Wow! Arrête de viser. Je sais pas exactement ce que je fais, mais je tape des gens. Oh là là.
tout à l'heure. Je veux faire quoi? Je suis pourri. Je peux faire quoi pour le buter? Ah, voilà. Ok, en fait, je dois attendre qu'il soit au-dessus. Merde. Ah, fuck. Merde, je l'ai loupé. Ok. Non. Ok. Ok. Voilà, tu vas trop vite. Non. Ok. Ok. Oh, I can't believe it. You actually beat me. But why are you? You're all worthless. Withdraw. Yes, sir. Thank you for saving us. Who were those people? They're the Dark Forces sent by Emperor Griffin. Emperor Griffin? That's right. He and his henchmen are trying to undo history. I don't know what he's after exactly. But I do know that if we don't stop him, our world may be destroyed. Hmm. I see. I had no idea. I truly must be getting old. I should have known what was going on in the world. My days as the elder of this tribe are coming to an end. Max! Monica! Hey, it's Pow! You are the one who rescued our stray tribe member? Oh, no, it's nothing, really. So, it was you, was it? This child's mother was lost on this trip. Even for the Shigura, an expedition of this kind is never easy. It's a long journey, and we lose many along the way. Sadly, this child's mother was one of them. With his mother gone, I am sure he thought of you as his own parent. Oh. I don't know how to thank you. This child will grow up to be a fine Shigura, thanks to your kindness. Aw, oh, stop it, Shingala. Our
tribe must return south now. So this is goodbye. We must part. For thank you for all you have done. May you have good fortune in your travels. Farewell, all of you. Take good care of yourself, Shingala. I know you'll grow up to be a great Shigura. Hey, it's hard for me to say goodbye too, you know? Go on, off you go. Shingala! I know you'll come back someday. I'll be waiting for you. Bye, Shingala. Take care. So the sea dragon, Shingala, after seeing the kindness of humans, set out on his own journey across the wide seas. Every year from that day, Shingala continued to bring Luna Stones to this shore, and when he did, he always looked for Pau. Shingala never for a moment forgot the special days that he spent with Pau. And then, 20 years later, thanks to the biggest load of Luna Stones ever, brought by the new Shigura elder Shingala, the world's premier research center, Lunatic Wisdom Laboratory was finally completed. Très bien, donc finalement Shingala il s'est barré avec ses potes, donc c'était une des suppositions que j'avais faites. Je préfère celle-ci plutôt qu'il meure en fait, sinon ça aurait été horrible. Bref, allons voir ce qu'il y a dans le futur. Wow, c'est luminous. Est-ce que par hasard il y a des... Ah ouais, ça a grave changé n'empêche. Non, elle est... portes par des espèces de portiques. Bref, allons voir du coup ce qui se passe ici. De ce qu'il disait, normalement il y a une cinématique, pourquoi il n'y a pas de cinématique ici? Bon, je vais faire un peu le tour avant de rentrer dans les... Ah ben voilà, je fais bien de faire le tour. Avant de rentrer dans ce grand bâtiment ici, je vais faire tout le tour parce que j'ai pas envie de louper. Hein ? Mais elle était là la porte ! Just think of what I could make with all this. This is Lunatic Wisdom Laboratory, the greatest research facility in the world. This is the central lab, the biggest research room of them all. Hey, I bet they could make something to send us back 10,000 years here. I bet you you're right. Thanks to you, the lab's been completely restored to its former state. I really appreciate it. Now let me explain my plan for getting you to Griffin 10,000 years in the past. Really? Sure, there's nothing this Luna Lab can't do. Oh, wow! Ixion, a time-traveling locomotive. A fantastic non-stop express that can cross both time and space. When this is finished, you'll be able to travel 10,000 years into the past, where Griffin is. Amazing! How much longer will it take? Let's see. Let me check. Dr. Jamming,
a minute. This is not the same jamming that attacked you back in the past, okay? Well, not exactly the same anyway. He happens to be his grandson. Dr. Jamming's grandson? I'm terribly sorry. It seems my grandfather caused you a lot of trouble. Please accept my apology. However, without my grandfather's research, I would have never been able to develop the Ixion. My grandfather was researching technology that would allow objects to float on the air using sound. He called this his aeroharmonics flying technology. However, he came to a dead end in his research and became desperate. That's when Gaspar persuaded my grandfather into becoming one of Griffin's servants. But when he lost that battle to you two, he had a change of heart. He rededicated himself to his research and was able to perfect his aeroharmonics technology. He perfected aeroharmonics? Many flying vehicles were developed after that, based on his technology. Of course, the Ixion here takes advantage of the same technology, and by combining it with the space-time control panel I developed, my grandfather has passed away. But before he died, he told me I should use his research for something good and just. I try to carry on his wishes, and I think that by continuing his research, this world can truly be saved. Dr. Jamming, he was quite a guy. Yes, and you helped him become the man he was. Well, I wouldn't necessarily say... But that's strange. In the history I know, aeroharmonics technology was never perfected. Our travels must be creating a new history for the world. Do you think that's okay? Well, I'm still getting the hang of this, but I'm thinking that maybe history as you know it is not necessarily the one true history. Huh? As well as fixing the flow of time that Griffin has disrupted, we've also been able to add new flows to it. And though these have been different from the original flows, maybe they're meant to be the real-world history. Ultimately, you could say that even Griffin himself is playing a necessary part in creating a new, complete history. Griffin? Necessary? You can't be serious! Why not? Doctor, something terrible's happened. The rebel forces in the west are coming under attack from Griffin. What? Attacked? Get me Elena! Huh? Elena. Your name, mother. Just who is my mother? And why isn't she with us? Even my own father wouldn't answer my questions. Now I realize that father hoped I would find out those answers for myself. This is Elena. We're fighting Griffin's main army over here. If it carries on like this, Griffin will probably attack the Luna Lab too. Be careful. Mother? Is that Max? Yes. You mean this boy is Elena's... That's right. Max is Elena's son. Max, I'm sorry. I'll bet your father never told you what happened to me. That's right. But why? Max, we live in different worlds. What? It's all right, Max. I'll explain everything. I'll tell you why I couldn't go on living with you. But to explain that, I need to explain what's going on in this world now. What do you mean by that? I'm from the future, just like Monica. Our time has changed greatly because of the devastation caused by Emperor Griffin. We couldn't let Griffin get away with it. So the people of our time formed a rebel force to fight against him. But Griffin began to use the power of the stone. Stone? One of the fabled Atlamilia stones that possess great powers. Powers that can move the Earth and control time.
Griffin harnessed that power to rewrite history bit by bit. He turned on people and erased their very existence from history. At Lemuria are strange jewels with a will of their own. They choose their owners themselves. Legend has it that At Lemuria will only choose for their owners people of good heart. We don't know how Griffin has managed to get his hands on one of the At Lemuria. But the fact is, he can use the power of that stone. And for us to be able to fight him, we needed one too. Three At Lemuria exist in the world. The first is the Sunstone, which Griffin possesses. The other two are the Moonstone, which emits a blue light, and the Earthstone, which emits a red light. Griffin tried to increase his powers by gaining possession of the remaining two At Lemuria. So he searched for the remaining two stones. First, we traced the owner of the Moonstone. That was Monica's father, King Raybrand. At first, we thought we could inherit the At Lemuria from King Raybrand to help us in our fight against Griffin. But the stone wouldn't accept any one among us as its owner. And so, in the end, we were unable to get the stone. We guarded King Raybrand so that the stone would not fall into Griffin's hands. We decided to protect the person that the stone had chosen from the threat of Griffin. But Griffin was devious, and he assassinated King Raybrand. Griffin didn't get his hands on the stone, though. The stone refused to become Griffin's, and instead chose King Raybrand's daughter, Monica, as its new owner. That's how the second stone came to be Monica's. And so we looked for the last remaining At Lemuria, the Earthstone. But we couldn't find it, because it didn't exist in our time. According to the prophecy of the great sage, Crest, the Earthstone existed 115 years in the past. Its owner was a young boy called Gerald. We knew that Griffin would use his powers to travel through time and go back to Gerald's era looking for the stone. In order to protect the Red At Lemuria, I traveled to Gerald's time, and I made it my job to protect him. But during the time I was with Gerald, I fell in love with him. And then, Max, you were born. The first 5 years of your life went by in a flash. But then I had to return to my own time, because the war against Griffin was intensifying. I said goodbye to you and Gerald, and I returned to my time. I haven't been able to see you since. My mother is from the future? That's right, and we are the ones that were chosen by these two At Lemuria. But I was just given this stone by my father. No, not exactly. Your father couldn't even touch it anymore. He must have realized the stone had chosen a new owner. Gerald couldn't touch it himself, but he saw you could play with it without effect. The At Lemuria chose you as its new owner, so Gerald let you have it. I think that the At Lemuria have reasons for who they choose as their owners. There's probably even a reason why Griffin was chosen. A reason he was chosen? That's right. Like what? That I don't know. But the stones are guiding people for the sake of something great. I can just feel it. I'm sorry. It looks like we haven't any more time to talk. Just wait a little longer. If we can recreate Paznos, we'll have a chance to fight back. Recreate Paznos? But how? Max and Monica will recreate its origin point, of course. The origin point of Paznos is a workshop in Heimrada, a village at the foot of Mount Gundor. You'll have to head there. But Mount Gundor is a dangerous place. I'm not sure if you... We'll be fine, Elena. Just leave it to us. Don't worry, Mother. I'll save you. Just stay here. Max, okay. Take care. Both of you. You bet! Hurry now and set out for your next goal. The volcano, Mount Gundor. A huge factory, the Gundorada Workshop, will be built there in the future. That's where the Rebellion Army's ace in the hole, Paznos, will be built.
Paznos? It was the mobile stronghold of our rebel army. Griffin wiped Paznos out, but if we could bring it back, I bet we can make a counterattack. Then let's go to Mount Gundor. Hey, Max, Monica. How's that bridge? We finished the repairs ages ago, guys. Then let's head for Mount Gundor. All right. Très bien, alors on a appris beaucoup de choses. Donc du coup, la mère de Max vient du futur, c'est pour ça qu'on ne la voyait plus. Ok, je suis choquée là encore, je... Ouais, très bien. Alors en fait, l'histoire ici, elle me fait vraiment penser à Zelda, en mode il y a trois trucs et... Chacun a un morceau de Triforce un peu. C'est drôle, et comme par hasard, il y a toujours un méchant qui en obtient un morceau, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi l'entrée, elle était sur le côté et qu'elle n'était pas ici. Genre, il y a plusieurs entrées, peut-être. Parce que là, si je vais ici, il y a une entrée, ça. Ouais, on est d'accord. Ok, donc il y a plusieurs entrées. Des entrées partout. Moi, je voulais juste checker s'il n'y avait pas un petit coffre. C'est déjà qu'on en a trouvé un. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Voilà, par exemple ici. Hop. Olivine, écoute cette chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Olivine. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, puis en plus, bien sûr, c'est pas rangé cet inventaire de merde. Olivine. Pas une arme. Laissez-moi checker. Olivine. Ah, c'est là. Pierre de couleur vert olive. Ouh, bien. Très bien, même. Ok. Ensuite, avons-nous des coffres. Alors, attends. Ouais, non, ça va, il n'y a pas de... C'est pas un coin, en fait, donc c'est bon. En fait, je vois très bien. Parfait. Je suppose qu'ici, il y a peut-être un autre coffre, non? Oui. Qu'avons-nous ici? C'est la taltopomme. La fameuse taltopomme. Que j'aime tant. I love tarte aux pommes. Ici. Une glace. Ok. Et ici, c'est pour repartir. Ok, mangeons tout ça. Pied d'Eden. Alors attends, je sais plus qui a le moins de PV. Monica elle a le moins de PV. Alors ensuite, j'ai une glace et une tarte aux pommes. Tout en bas, voilà. Hop. Ouais, elle est à 36 et lui, il est à 40. Franchement, ça se fait pas. Il me donne rien pour Monica à chaque fois. Ils abusent. Alors, je vais regarder si le village, on peut le terminer, parce que du coup, on est déjà à 35 minutes. Donc, je vais regarder si on peut terminer le village avant de partir. Peut-être qu'il est déjà terminé, je ne sais pas. Je crois qu'il me manquait des trucs à faire. Ok. Ouais, du coup, l'histoire est très intéressante, parce que quand même, j'aurais pas pensé à des trucs comme ça. Ok, alors il me reste des trucs à faire, il me reste 60 points de culture et 80 points de culture. Ok, bah donc on va construire des trucs. On va faire... Je sais pas, est-ce qu'on peut encore faire des batailles? Alors j'ai le droit de faire que deux batailles en plus, ok. Deux batailles et est-ce qu'on peut faire des pots? Peut-être que les bateaux seront suffisants en fait, mais...
Bateau. Ok, gros bateau comme d'hab. Hop, je vais en mettre un là. Voilà. Et je vais rajouter un pot. J'avoue que mon village est moche, mais je suis qu'à 65. Bon, normalement, il va se passer un truc. Parce que j'ai augmenté quand même mon... Ok, il y a du changement dans le futur. Parfait, allons-y. Il y a quoi? Il y a des coffres. Là, normalement, c'est des coffres. Hein, parce que qu'est-ce qui peut se rajouter de plus? À part ce qu'on a déjà, je vois pas quoi. Allez, je vais faire le tour en accéléré et puis je vous retrouve dans le présent. C'est parti. Ok, nous voici de retour. Donc on a eu un rubis dans un coffre, ce qui me fait encore plus penser à Zelda du coup, mais c'est pas bien grave. Est-ce que j'ai des trucs à poser ici par hasard? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des bancs. J'avais vu que les bancs ça rapportait quelques points. Je n'ai plus de glaise. Oh, je peux mettre ça. Un abri de fer. Ça rapporte des points. Attends, on est à 65. Ça se met où, un abri de fer? Ça se met où? Dans les bateaux? Non mais wesh! Où est-ce que ça se place? Où est-ce que ça se place? Résiste à la chaleur. Dans une lampe. Ah, attends. Ça se met sur une maison? Ok. Eh, ça rapporte plein de points. Attends, il me faut quoi? Je peux encore en faire? Ok. Non! Des abris de fer, on a dit. Il me faut des morceaux de métal. Go chercher des morceaux de métal. Allez, on se fait ça vite fait et ensuite, on va pouvoir se tailler vers la nouvelle destination, le volcan, je sais plus quoi là, ils nous ont dit. Je me souviens déjà plus. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Même si les poissons rouges ont une mémoire qui est plus importante que ce qu'on croit. Bonjour monsieur, besoin de métal. Je vais leur prendre de la glaise aussi en même temps. Bim. Et du métallo. Bim. Ok. Hop. Allons-y, let's go. C'est parti, construisons. Bon, j'avoue, mon village est horrible. Il est totalement moche, mais il remplit les conditions, donc c'est le principal. Je suis pas là pour faire un truc beau en fait, je suis là pour faire un truc utile. Ok, passons des abris de fer sur les maisons du coup. Bim. Bim. Et bim. Tu as combien? 81, parfait, il me fallait 80. Hop, yes, du coup on va avoir la cinématique du village 100%. C'est parti, allons-y.
You came at a good time. I've just finished my latest creation. Take a look. What's that? It's a Nova Cannon. It's a weapon that uses the sun's energy to generate a powerful beam. Attach this to your ride pod, and then you'll have nothing to fear. All right. Thanks, Dr. Osmond. No problem. Ok, donc j'ai des canons pour mon robot. Hé, ils ont caché des coffres à l'intérieur, les salauds! Oh non, ça se fait pas, il va falloir que je fouille tous les immeubles, tous les buildings. Oh non, mais non! L'abus des gens, l'abus. Me dis pas que dans les autres zones, je pouvais trouver des coffres à l'intérieur des bâtiments, parce que là, franchement, c'est quoi ce délire? Quel est le fût? Donc là, j'étais chez les rouges. Ok. Bah, je vais fouiller ça de mon œil aguerri. Ils ont mis des coffres en plus. Donc, go, hein. Un saphir, super. Super, j'aime les pierres, messieurs, dames. Allez, du coup, on va tout fouiller parce que ils mettent des coffres dans les buildings. J'aurais dû m'en douter parce que j'en avais déjà trouvé à Palm Brinks devant chez Cédric. Donc j'aurais dû me douter qu'il pouvait y avoir des coffres à l'intérieur des bâtiments ou des trucs comme ça, quoi. Mais franchement, s'ils m'en ont mis dans les niveaux précédents et que Dante m'a rien dit, franchement, t'as cru que je t'avais pas vu, toi? Franchement, c'est dégueulasse. Je vais être obligée de tout refaire, là, parce que ça va pas aller. Ça se fait trop pas. On m'a pas dit que les coffres pouvaient être en intérieur. C'est dégueulasse, les gars. Ça ne se fait pas. Vous n'êtes vraiment pas gentil avec moi. C'est pas malin. Allez, c'est pas grave. Au moins, on aura plein de trucs à donner à nos persos. Ça va être cool. Ok, il n'y a rien. Allons chez les bleus. Allons chez les bleus. J'ai l'impression qu'on fait des duels. Les rouges contre les bleus, contre les violets. Bref. Du coup, au final, ça va être l'heure. Je t'ai vu, toi, là-bas. T'as cru quoi? Regarde juste ici s'il n'y en a pas. Ça va être bientôt l'heure de se laisser en plus. Mais ouais, ça se fait pas d'avoir caché les coffres en intérieur. Messieurs, vous n'êtes vraiment pas très gentils. À chaque fois, il y en a deux par bâtiment. Bah punaise, on va être puissant après. On va être vraiment badass. Ça, c'est bien. Je leur donnerai tout quand on sera reparti dans le présent, je pense. Ou à la fin, quand on aura fini tout. De tout fouiller. Parce que, ouais, franchement, ça se fait pas. Hein. Mais il va falloir que j'aille voir, du coup, dans les autres niveaux, si... s'il y avait des coffres en intérieur, parce que ça me perturbe. Pourquoi ils mettent des coffres en intérieur? Je trouve ça trop chelou. Ça se trouve, même à Palm Brinks, je pouvais trouver des coffres en intérieur. Ouais. Ouais. Allez, montrez-vous les petits coffres. Ah, je suis déjà venue ici, c'est pas possible. Ou alors, y a rien, ici. Ou alors je suis déjà venue, ouais. Bah non, le vert. J'ai fait le rouge, le violet, le bleu. Donc non, je n'avais pas fait le vert. Et dans celui-là de building, attends, je fouille ici. Bah. Attendez, où est la sortie? Ah bah la sortie est là, ok. La sortie est là, donc j'ai fait le tour. On va regarder dans le bâtiment principal s'il n'y a pas des coffres qui nous trollent. Que ça ne se fait point, messieurs, dames, de nous mettre des coffres en intérieur. Moi, on m'a jamais prévenu qu'il y avait des coffres en intérieur. Hein. Donc ça se fait pas.
Je vais d'abord faire tout le tour du haut. Ah, je peux pas aller plus loin. Très bien. Donc, je vais pas faire tout le tour du haut. Ok. Hop. Est-ce qu'ici il y a des coffres, messieurs dames? Est-ce que vous m'avez arnaqué depuis le début? Ou pas? Franchement, si c'est le cas, ça se fait vraiment pas. Bon, apparemment, il n'y a rien. Ça me gratte le nez. J'ai envie d'achoumer. C'est horrible. Il y a un coffre ici. Non. Y en a-t-il un sur le chemin d'à côté? Et j'ai vraiment le nez qui gratte, c'est horrible. Bah, pourquoi il y a un livre ici? Oh. Laissez pas traîner vos livres, les gars. Je crois que c'est ici la sortie. Pour se retrouver face. Yep. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à donner? Une tarte aux pommes. Ah, bah tiens, on a deux glaces pour madame. Hop, Max, Max et Monica. Parfait. Normalement, j'ai plus rien à leur donner. Ok, c'est parfait. Allez, cassons-nous. Et du coup, Monica, elle a rattrapé Max niveau défense. Donc ça, c'est bien. J'ai bien envie d'aller checker la vallée de l'équilibre, mais en vrai, s'il n'y a rien, bah, je serais deg et j'aurais perdu du temps pour rien. Donc je pense que je vais faire ça entre deux vidéos. Là, il nous reste à peu près 10 minutes, je pense. On va se diriger vers la nouvelle zone, du coup, avec nos amis. Attends, je veux juste vérifier. Normalement, oui, hein, je l'ai bien fait à 100%, là, le village. Hein. Yes, 100%. Ok, parfait. Bon, bah du coup, c'est parti. Allons avec nos poteaux et cassons-nous vers le volcan, je sais plus quoi, là. C'est parti. Hop. On doit parler à Cédric, je suppose. Attendez, je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de tout refaire, par contre. Donc, si jamais il m'arrive une bêtise, bah au moins, ce sera sauvegardé, ce sera déjà bien. Ok, parti. C'est parti. Allons-y. Tu veux partir? Oui. Alrighty then, here we go. Mount Gundor, here we come. Chapter 5, Conflict of the Past and Future. What's this? It's raining embers! Something is definitely up! The village of Heimrada should be here at the foot of Mount Gundor. But I guess it got wiped out too. Let's get going then, Monica. Be careful out there, you two. There's nothing much we can do this time, so we'll just take it easy on the train, okay, guys? If you need any help with anything, just let us know. Bornéo et Eric peuvent être mis dans le géorama? What the fuck? What the fuck? Très bien. Alors attendez, on va aller se faire un peu de bouffe et tout ça parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Surtout auprès de notre amie la mamie. Mais il est où machin? Eric. Eric is dead. Il y a Bornéo mais il n'y a pas Eric.
Mon petit pote, où es-tu? Ah tiens. Je veux les bombes. Je veux des bombes, monsieur, s'il te plaît. Fais-moi des bombes. Je veux des bombes. Hop. Bonjour, papa. Petit papounet. Madame Mamie. Madame Mamie, je veux du fromage, s'il vous plaît. Trois petits fromages pour moi, s'il vous plaît. Hop. Et voilà. Bien. Madame Mamie, je vous renvoie au train. Voilà. Hop. Parfait. Et je vais emmener Cédric avec moi. Parce que c'est mon best friend. Cédric, t'es où? T'es là. Répare mon robot. Tiens. Je sais pas s'il avait besoin d'être réparé, mais répare-le au cas où. Est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est quoi ça? Torse en bois fait à partir d'une boîte en bois très solide. Bah go. Go acheter le torse en bois. C'est parti. De toute façon, on a de nouveaux trucs là pour notre robot. Attends, ça fait quoi sur le robot en vrai? Ah ouais, il passe de 6 à 18 quand même. Et ses bras, ils font 240 d'attaque. Non. Et là, ils font... Ah ouais, ouais, bah ouais, prends ces bras-là alors, mon petit pote. Bim. Je t'emmène avec moi, mon petit pote. C'est parti, viens-y. On va aller voir ce qui nous attend. Je pense qu'on va pas aller très très loin. C'est par là qu'on doit aller. On va à Désolande. Let's go. Causing these falling embers too. No doubt about it. Oh, there's no way we can start bringing back wood and straw buildings now. He's trying to stop us from building so we can't revive any more origin points. That monster. Let's hurry, Monica. Yeah. Ok, très bien. Donc apparemment, il va nous empêcher de construire. Très bien. On va aller checker le futur pour voir comment c'est. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Ok. Très bien. Est-ce que par hasard il y a déjà des coffres ici? Je vais faire ça en accéléré, ça ira beaucoup plus vite. Alors attendez, on a une plaque ici très étrange. Ah ok, on peut se TP en fait dans cette zone. C'est plutôt pas mal parce qu'elle est quand même assez grande. Par contre la musique elle est très stylée. J'aime beaucoup. Mais ouais, je vais pas me téléporter tout de suite. Je regarde dans chaque recoin, voir s'il n'y a pas un petit truc à piquer. Ah, bonjour madame. Madame, monsieur, je sais pas. Alors, Griffon nous a tous effacés. Ce type est vraiment un monstre. On peut tout fabriquer à l'atelier des Ogondor. Peu importe la taille, gros ou petit, on peut le faire. Très bien.
Je n'ai pas l'esprit mal placé, non, c'est fait. Donc il y avait un coffre ici, mais non. Ouais, j'ai fait à peine la moitié du truc. Ok, bon bah, go accélération. Ok, il n'y avait rien de spécial ici, donc voilà. Repartons dans le présent. Et du coup, on va s'arrêter ici, puisque bon, moi je suis déjà à presque une heure. Je vais aller au point de sauvegarde là-bas. Hop, on va y aller plus rapidement. Let's go. Hop, voilà. Et je suppose que par là, c'est le donjon. Qu'on découvrira du coup la prochaine fois. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde !